Bonjour Nicolas, merci beaucoup de nous recevoir ici dans les locaux de Chauvet France. On a devant nous le Slim Par Pro Pix, si slim que ça en fait. Non, pas slim du tout. Donc la grosse particularité de ce par, déjà c'est une nouveauté, Chauvet DJ. On va retrouver donc une couronne ici, une couronne de 57 LED, donc en RGB de 11 watts, qui vont nous permettre de pouvoir travailler par exemple en contre pour avoir tout simplement juste un effet visuel ici. Et ensuite, on va retrouver donc 12 LED de 10 watts, en par contre RGB ambre, white plus UV. Donc, la totale. La totale, c'est ça exactement, pour travailler donc sur la partie wash. Le gros plus de ce produit, ça va être sa puissance. Avec ses 12 LED de 10 watts en RGB ambre, white plus UV, on va pouvoir avoir toutes les possibilités possibles en termes de colorimétrie. Ce qui nous fait quand même un par qui est très complet. Alors, et qui peut nous donner une créativité presque hors limite en fait. C'est ça. Alors, la créativité va être suite à cette fameuse couronne où là on va vraiment pouvoir travailler sur les deux, sur l'effet wash ou sur la couronne. En plus, le gros avantage, la puissance donc de la partie wash et de la couronne sont très bien calibrées pour aller parfaitement ensemble en termes ou de diffusion avec le wash ou d'utiliser que la couronne en mode par exemple en contre pour avoir un effet tout simplement juste visuel. Tu m'expliquais que c'est un projecteur qui a le système DeFi. Donc, comme tu disais, Donatien, ici, on va avoir un port USB. Ce port USB va servir à venir intégrer donc une clé USB Chauvet DJ avec le système DeFi. Il vous suffira tout simplement de, derrière votre console, mettre un petit boîtier de communication qu'on appelle un DeFi hub. Et tout simplement, ce DeFi va venir communiquer avec la clé USB qu'on pourra intégrer ici. Autrement, sur ce produit, on a donc un DMX 3 broches et 5 broches, comme sur beaucoup de nouveaux produits de la gamme Chauvet DJ. Ici, on va retrouver donc la partie alimentation avec un PowerCon, une entrée, une sortie, pour permettre de linker donc plusieurs produits et éviter d'utiliser plusieurs alimentations à chaque fois. Donc du coup, si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous serez redirigé vers le site officiel de Chauvet, vous expliquant toutes les caractéristiques que vous avez besoin de savoir. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu pour nous soutenir. À bientôt.